Bonjour et bienvenue en ce samedi de la septième semaine pascale. Nous sommes rendus à la dernière journée du temps de Pâques. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Récitons ensemble le psaume 42. Rends-moi justice, Rends justice au mon Dieu, Dieu. Défends, défends ma cause contre un peuple, peuple sans foi. De l'homme qui, qui ruse et trahit, trahi libère-moi. Libère C'est toi, toi Dieu, ma forteresse. Ma forteresse. Pourquoi, Pourquoi me, me rejeter pourquoi vais-je assombrie, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler ô mon âme et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il, il a fait, fait le ciel, ciel et la et terre. Demandons miséricorde à Dieu, en implorant son pardon. Je, je confesse, confesse à Dieu Tout-Puissant, je, je reconnais, reconnais devant vous, vous, frères et sœurs, et sœurs que, que j'ai péché, péché en pensée, en parole, parole par, par action et par, et par, par omission. omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, je supplie la bienheureuse, bienheureuse Vierge Marie, les, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, et de, aussi, frères et sœurs de prier pour moi le Seigneur, Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie, votre, votre peuple, peuple se réjouira, réjouira en vous. vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde, accordez-nous votre salut. Seigneur, écoutez ma prière, que, que mon appel parvienne jusqu'à vous. Les disciples, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la Mère de Jésus, et avec ses frères. Alléluia. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Au Christ, ayez pitié. Au Christ, ayez pitié. Au Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te prions au terme de ces fêtes pascales. Que par ta grâce elles imprègnent nos actes et notre vie, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du Livre des Actes des Apôtres. À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. Trois jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit, Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque, dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais, devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. Paul demeura deux années entières dans le logement qu'il avait loué, il accueillait tous ceux qui venaient chez lui, il annonçait le règne de Dieu, et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Parole du Seigneur, nous, nous rendons, rendons grâce à Dieu. Dieu. Les, les hommes, hommes droits te verront, verront face à face, face Seigneur. Seigneur. Le Seigneur, dans son temple saint, le Seigneur, dans les cieux où il trône, garde les yeux ouverts sur le monde. Il voit, il scrute les hommes. Les, les hommes, hommes droits te verront face à face, face Seigneur. Seigneur. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant, l'ami de la violence, il le est. Vraiment, le Seigneur est juste, il aime toute justice, les hommes droits le verront face à face. Les, les hommes, hommes droits te verront te face à face, face Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Je vous enverrai l'esprit de vérité. Dis le Seigneur, il vous conduira dans la vérité tout entière alléluia, alléluia alléluia évangile de Jésus Christ selon Saint Jean, gloire, gloire à, à toi, toi Seigneur. Seigneur en ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, suis-moi, s'étant retourné, Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui pendant le repas s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire. Seigneur, quel est celui qui va te livrer? Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui répond Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourait pas, mais Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange, Louange à toi, toi Seigneur, Seigneur Jésus. Jésus. Aujourd'hui, avec l'évangile de Jean, nous plongeons dans un moment empreint d'une profonde intimité entre Jésus et ses disciples, en particulier Pierre et Jean. Ce passage final du chapitre 21 nous offre une méditation riche sur la diversité des chemins de foi et sur la relation personnelle que chaque disciple entretient avec le Seigneur. Jean, dans son récit, décrit comment Pierre, curieux, s'interroge sur le destin de Jean. Pierre, peut-être animé par un mélange de préoccupations fraternelles et de désirs de compréhension, demande à Jésus ce qui arrivera à Jean. Mais la réponse de Jésus est profonde et empreinte de sagesse. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe Toi, suis-moi. Cette réponse de Jésus est un rappel pour chacun de nous. Elle nous invite à nous concentrer sur notre propre chemin de foi plutôt que de nous préoccuper de celui des autres. Jésus ne compare pas les disciples ni ne mesure leur valeur en fonction de leur parcours il leur demande simplement de le suivre fidèlement, quel que soit leur chemin. Cela soulève une question importante pour nous tous, sommes-nous prêts à suivre le Christ où qu'il nous mène, même si cela signifie que notre chemin diffère de celui des autres Sommes-nous prêts à faire confiance à la volonté de Dieu pour notre vie, même si elle semble parfois mystérieuse ou difficile à comprendre Le récit de Jean nous rappelle également la diversité des chemins de foi. Pierre et Jean étaient tous deux des disciples bien-aimés de Jésus, mais leur parcours était différent. De même, dans notre communauté, nous rencontrons une diversité de parcours de foi. Certains sont forts dans leur foi depuis de nombreuses années, tandis que d'autres sont encore en train d'explorer et de découvrir ce que signifie être un disciple de Jésus. Quel que soit notre parcours individuel, nous sommes tous appelés à suivre le Christ avec tout notre cœur, notre âme et notre esprit. Enfin, ce passage nous rappelle l'importance du témoignage. Jean écrit ces mots non seulement pour enregistrer l'histoire, mais aussi pour partager son expérience personnelle de Jésus avec les autres. De même, nous sommes appelés à partager notre propre expérience de la présence vivante du Christ dans nos vies avec ceux qui nous entourent. Que ce soit à travers nos paroles, nos actions ou nos relations, nous pouvons être des témoins vivants de l'amour et de la grâce de Dieu pour le monde. Alors, chers amis, que ce passage de l'Évangile nous inspire à suivre fidèlement le Christ sur notre propre chemin de foi, à célébrer la diversité des chemins de foi de chacun, et à partager notre témoignage avec tous ceux que nous rencontrons. Amen. Offrons nos louanges à Dieu. À toi, à toi, toi Dieu, Dieu notre, notre louange, nous, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Seigneur. À toi, Père, Père Éternel, l'hymne de, de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux. Ils te rendent grâce. Ils adorent et ils chantent. Saint, 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 saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. au plus haut des cieux. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient. Toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs, c'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu, tu as ouvert, ouvert à, tout à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Enlève avec tous les saints dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Dirige les tiens et conduis les justes dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour nous garder de tout péché. Et pitié de nous Seigneur, et pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Le Seigneur nous a laissé cette prière, récitons-la. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonnez-nous nos offenses comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dans ta bonté Seigneur, exauce nos prières. Déjà, nous sommes passés du monde ancien au sacrement des temps nouveaux, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir, envoie-nous un esprit de renouveau et de sainteté par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous et, et avec, avec votre, votre esprit. esprit. Bénissons le Seigneur. Rendons, Rendons gloire à, à Dieu. À Dieu. Que le Seigneur nous protège et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Commencement de l'Évangile, selon Saint Jean. Gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. En ce mois de Marie, tournons-nous vers elle, pour qu'elle intercède pour nous. Je, Je vous salue, salue Marie pleine de grâce, de grâce le Seigneur, Seigneur est avec vous. Vous. vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, Jésus le fruit le de, vos entrailles est entrailles est Marie, de vos entrailles, est béni. Sainte Marie Mère de Dieu, priez pour, pour nous, nous, nous pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant et à, à l'heure de notre mort. mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate Tournez vers nous votre regard miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô Clémente, ô miséricordieuse, ô Douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin, afin que nous que soyons rendus dignes, dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force, jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Et par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, et de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons pour la conversion des pécheurs, et pour la liberté et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez, ayez pitié, pitié de, de nous. nous. Cœur sacré de Jésus, et ayez pitié, pitié de, nous. de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié, ayez pitié de, de nous. nous. Sacré cœur de, de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Visitez notre chaîne YouTube pour plus de vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé des nouvelles vidéos. Visitez notre site web pour d'autres renseignements. Allez maintenant porter la bonne nouvelle au monde.